alors aujourd'hui je suis dans un marché au Laos, c'est un marché de manger, je vais te montrer après, c'est vachement bien. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une mini rikiki vidéo écolo bio avec une petite astuce. Et je voulais te parler du bicarbonate. En fait il y a deux astuces pour utiliser le bicarbonate dans la cuisine. Premièrement, si jamais tu es en panne de levure pour faire un gâteau, pour faire n'importe quoi, et ben tu peux remplacer ta levure par une pincée de bicarbonate. Ça va te permettre de faire monter ta pâte et ça va marcher super bien. Deuxième astuce, si tu veux faire monter des blancs en neige, tu peux rajouter une pincée de bicarbonate et en fait ça va permettre que les blancs ils montent plus vite et que les blancs soient plus consistants. Ces deux astuces là, moi je les ai déjà utilisées, ça marche vraiment bien. Je vais te donner une troisième astuce qui est pas dans la cuisine, mais sinon ma vidéo sera trop courte et je vais culpabiliser. La troisième astuce, c'est l'utilisation du bicarbonate de soude. Alors si jamais tu as des aigreurs d'estomac ou bien si t'es rentré de cuit, tu vois que tu te sens pas très bien, tu prends une pincée de bicarbonate que tu mets dans un verre avec de l'eau, tu bois ça et en fait tes aigreurs d'estomac vont passer super facilement. Si jamais t'as mal pour plein d'autres raisons, tu peux aussi essayer ça, mais ça ne te dispense pas. Si jamais ça persiste, d'aller voir un médecin et de faire le nécessaire. Voilà, c'était une mini rikiki vidéo avec du bicarbonate et maintenant je vais te montrer là où on est et tu vas voir à quel point c'est beau. C'est Badi. Sabadi, ça veut dire bonjour en laotien. Sabadia. Et là-bas, c'est les dames qui nous font à manger. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle mini vidéo écolo bio zéro déchet, blablabla. Ciao.